Bonjour et bienvenue à tous. En ce 8 décembre, nous fêtons la grâce de cette Immaculée Conception, fête pour notre mère en ce jour. Oui, vraiment, nous voulons la reconnaître comme telle, la reconnaître comme notre mère et la mère de tous les hommes. Aujourd'hui, sois bénis tous les pèlerins qui vont à Lourdes dans ce sanctuaire mondial et nous qui y allons en esprit. Alors bienvenue aussi peut-être à tous les derniers qui vont prendre en route cette neuvaine en ce jour, car il y a de la place pour tous. Vous connaissez les ouvriers de la dernière heure, et ils seront bénis comme les autres. Alors soyez tous les bienvenus, chers frères et sœurs, chers enfants de Marie. Nous allons prier ensemble cette neuvaine comme tous les jours, aujourd'hui avec le thème Marie, lumière de sainteté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, je vous propose une prière du frère Roger à l'Esprit Saint de Thésée. Esprit Saint qui habite chaque être humain, tu viens déposer en nous ces réalités d'évangile si essentielles. La bonté du cœur et le pardon. Aimer et l'exprimer par notre vie. Aimer avec la bonté du cœur et pardonner. Là, tu nous donnes de trouver une des sources de la paix et de la joie. Qu'il en soit ainsi. Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier, l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie. Avec le Père éternel dans l'unité du Saint-Esprit. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous, la lumière de l'espérance. Qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, Marie, lumière de sainteté. Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux, pour accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres que vous enverrez vers nous. Donnez-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants et briser la présence de Jésus vivant. Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres, qu'il en soit ainsi. Ô Mère, Vierge et Mère tout ensemble, lumière brillante de sainteté et de pureté immaculée, à peine conçue, tu as adoré profondément Dieu, et la remercier de ce qu'il voulait bien se servir de toi pour anéantir l'ancien arrêt de malédiction porté contre le genre humain et pour répandre d'abondantes bénédictions sur les enfants d'Adam. Ô Marie, faites que ces bénédictions allument dans notre cœur l'amour de Dieu. Ô Marie, intercède pour tous les agonisants. Assiste chacun de nous à l'heure de notre mort. Ô Marie, à l'heure de la mort, que tous se souviennent de ta bonté, de l'infinie miséricorde de notre Père des cieux. Que tous se souviennent que toutes les fautes, si graves soient-elles,
peuvent être pardonnés si l'on éprouve le repentir, car l'amour de Dieu est plus grand que les plus grands péchés. Quand arrivera ma dernière heure sur cette terre d'exil, où que ce soit, soyez là, ô Marie, je crois et je confesse votre Immaculée Conception. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Concluons ce jour avec la consécration à Jésus par Marie de Saint-Louis, Marie Grignon de Montfort. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je ne lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs
et extérieure, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Alors, joyeuse vraiment et sainte fête à tous. Vraiment que vous soyez bénis, glorifiés, toujours, parce que quand c'est la fête de la Vierge Marie, nous avons tous des grâces et nous sommes tous en communion les uns avec les autres. Et nous sommes, comme dit saint Athanase, verbifiés, christifiés. Alors aujourd'hui, oui, nous allons vivre cette grande grâce avec Dieu parce qu'il nous a fait un cadeau immense d'avoir une telle mère, la Vierge Marie. Ces jours de fête pour elle, ces jours de fête au ciel, ces jours de fête sur terre, quelle joie immense pour chacun d'entre nous. Alors soyez bénis, demandons cette grâce toute puissante sur chacun d'entre nous, demandons aussi la grâce sur le monde entier qui en a bien besoin, demandons la grâce de la paix, demandons beaucoup à Marie. Vous savez qu'en ce jour de fête, normalement tous les jours de grande grâce, les saints nous disent que les âmes quittent le purgatoire, qu'il y a un grand jour de grâce et qu'en fait elles sont auprès de Dieu pour louer Dieu, le glorifier. Alors vraiment c'est ce que nous souhaitons et donc nous prions particulièrement pour tous ceux qui ne connaissent encore pas la Vierge Marie. Pour tous ceux qui peut-être ne l'aiment pas, ne la prient pas. Alors prions l'Ave Maria aujourd'hui aussi avec Sœur Marie Kérouse. Ça sera la joie de nous quitter ensemble par cette prière splendide, par cette religieuse qu'elle nous accompagne de sa prière et que tous ensemble nous formions qu'un seul cœur, qu'une seule âme, bien en communion. Et félicitations à tous ceux qui ont persévéré jusqu'au bout, car vous allez être graciés.
Seigneur.